Aston. Il s'appuyait et il la met en l'air. Magnifique. David Alston pour Abdoulaye Loum. De la fin de cette première mi-temps, comme un rayon de soleil dans cette première mi-temps si nuageuse pour l'équipe de Dijon, quand même menée de 17 points à la mi-temps. Le loup, l'extra passe. Passe. Et encore le spécialiste. Le spécialiste. Il adore martyriser les cercles. Richard Salomon. Bien fixé par Jérémy Le Loup. Axel Julien qui les met très très haute, magnifique, oui, magnifique, allez où ? Allez, faites-vous plaisir, regardez la vista d'Axel Julien, une combinaison qu'on voit assez souvent entre les deux hommes. Interception de la Montelmeur. Et oh là 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 là. Sur la tête de tout le monde. Servi par la Montelmeur. Regardez-moi cette séquence. Attention, c'est à ne pas montrer aux enfants, ça fait mal. Avec la faute antisportive de Chris Johnson, c'est la complète, la méga totale d'Abdoulaye Loum. Zuzic, au buzzer, c'est raté. En plus, ils nettoient à chaque fois leur rebond, les Dijonais. L'alley-oop extraordinaire de David Alston. Alors oui, il y a la finition, mais la passe part quand même du milieu de terrain de David Alston. Donc il faut quand même une vraie précision. Ouais. Bah, des deux côtés, c'est ouais. Solomon, Abdoulaye Loum, Axel Julien, en l'air. Oh, oh là là, quelle séquence. Mais cette action-là, magnifique. Ils arrivent à trouver des solutions. Regardez, par exemple, cette défense, par contre, on la connaît. Prise à deux de systématique sur le poste bas. Il faut la travailler, il faut sortir le ballon plus vite. Attention à David Olsen qui a trouvé Richard Solomon et le 2 plus 1. Pour l'instant, malheureusement, on ne voit que ça. Allez, oh, ligne de fond pour la fusée Ulmer. Alston, allez hop, oh, pour Salomon. On revoit le allez hop, Alston, Solomon.